Yo les gars, bienvenue dans un nouvel épisode avec Carlos Santiago. Avant que la vidéo commence, les gars, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Les gars, c'est très 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 important. Concernant la vie privée, vous savez déjà, Santiago a un fils qui s'appelle Alejandro Santiago. Ok, pour l'instant, il fait que de pleurer et à cause de ce petit là, Santiago arrive souvent en retard à l'entraînement. Aujourd'hui, les gars, soyez concentrés pour de vrai. Hein. Là, je vous parle vraiment sérieux là. Soyez concentrés, les gars. Soyez concentrés, les refs. Les gosses avant tout. Ouais, les gosses avant tout, mais quand même, à force qu'il pleure, on arrive en retard à l'entraînement, mon ref. Le coach n'est pas content. Le coach me l'a fait savoir et maintenant, on doit être assidu. Comment ça, Thomas Müller à Everton? Ah ouais, il est finito, les gars. Il a été vendu par United. Santiago et la frappe croisée. Oh là là, dommage. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là, vas-y, vas-y. Putain, dommage. Non, mais y'a rien, monsieur l'arbitre. Putain. Oh les gars. Sombrero. Ouah, monsieur l'arbitre. Eh, c'est une dinguerie, les gars. Y'a pas faute là. Hein? Comment ça, mon ref? Bah, attendez, je comprends pas là. Sombrero. Donc, du coup, obstruction. Le mec me bloque. Il me fait béton. Ah, parce que monsieur a mal, bah ouais, frère. Ah, ça y est, il est remplacé carrément. Arrête de mentir, oh là là. Wow, wow, wow. Monsieur l'arbitre, je vais tirer, j'ai le ballon, et voilà. Coup de pied, on m'empêche de tirer. Du coup, je touche pas le ballon, je béton, et y a pas faute. C'est une dinguerie quand même. Ils savent que j'ai un carton jaune, ils savent que je suis un joueur très impulsif, très agressif. Exactement, les gars. Exactement, exactement. Paqueta! Paqueta! Tain, ils m'ont vraiment au marquage aujourd'hui. Hein. Il est passé. Il est passé avec la puissance en Thiago. La frappe! Putain! Et la sortie, les gars, de Santiago qui a fait malheureusement un très mauvais match. L'entraîneur est agacé, les gars. Je vous l'avais dit, les gars. Les gars, je viens en retard à l'entraînement. Du coup, je m'entraîne pas assez. Mon joueur est fatigué. Ça se ressent sur le terrain. Il marque plus. C'est dingue. Est-ce que Santiago est finito, les gars? Est-ce que monsieur Santiago est finito? Il a dit oui, clairement. Et en plus, on a besoin de lui. C'est la fin de saison. On a besoin de monsieur Santiago. On va aller voir ce qui se passe dans les messages. D'après le préparateur physique du club, tu étais encore en retard ce matin à l'entraînement. Une explication? Le gosse fait que de pleurer, les gars. Qu'est-ce qu'on lui dit au coach? Les gars, qu'est-ce qu'on dit au coach? Soit on lui dit « Désolé, ça n'arrivera plus. » Soit on dit « C'est à cause de mon fils. » Franchement, honteux d'accuser un enfant de 2 mois quand même. Mais quel coach insupportable. Mais frère, il a raison, frère. Tu crois que c'est la cité ou quoi, Manchester? Frère, je suis payé des millions. Je suis payé des millions, mon ref. Je suis pas foutu d'arriver à l'heure, frère. Normal. Tu tolères ça, toi? Ryan, quand même, il a dit la famille avant tout. Mais qu'est-ce que vous allez accuser, les gars? Vous allez accuser qui, là? La pire excuse. Bah ouais, frère, tu imagines, t'accuses le petit? Attendez, je vais aller voir les résultats, là. Il a dit ça cause... Hey, 28% qui disent ça à cause de mon fils. Putain, vous avez même pas honte, les gars. Vous avez voté, désolé, ça n'arrivera plus. Ok, on va lui dire ça, les gars. Désolé. Ça n'arrivera plus. Voilà, les gars. C'est pas notre problème. Footballeur, c'est ton métier, il me semble. Tu dois être à l'heure tous les jours. Et il parle mal, le frérot. Hein. Il parle archi mal, le coach, les gars. Qu'est-ce qu'on fait, les refs? Répondre mal ou laisser passer? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Il va te virer. Il est chauve. Il a totalement raison. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réagir au chat, il faut me suivre sur l'application Twitch. Mon nom, c'est Junior TV Gaming. En ce moment, en live, devient pro tous les jours. Les best-of et rediffusions seront donc sur YouTube. Franchement, vous êtes honteux. Ah, vous voulez mal répondre là? Mais les gars, on va être foutus, les gars. Hein. Dis-lui, ferme ton crâne chauve. Ils veulent faire une dinero. Ah, mais les gars, vous voulez bousiller ma carrière, les gars, oui. Les gars, faut plus arriver en retard. Les gars, vous allez bousiller ma carrière, je le sens. En plus, là, il va commencer à avoir des choix importants là. Attention, les gars. Attention, les gars. Santiago va-t-il se rattraper? Extérieur du pied, bien m'a fait. Voilà, tout le Trafford se lève. Il n'a pas marqué depuis 3 matchs, les gars. Contrôle, il fixe, il frappe. C'est arrêté par le gardien. Et c'est un pénalty, les gars. Peut-être la fin de la série de Santiago sans but marqué, les gars. Monsieur Carlos Santiago, les gars. Le buteur argentin, mesdames et messieurs. C'est parti, hop, hop. Crochet, il est passé. La passe au retrait, le 1-2, c'est magnifique. Et c'est un doublé de Carlos Santiago. Quelle combinaison incroyable avec son ami Paqueta, petit piqué, demi-volé, c'est magnifique.
Comment je l'ai fauché. Let's go. Oh là là. Pas fait exprès, j'ai pas fait exprès sur l'arbitre. J'ai même pas fait exprès. Merci. Et le triplé de Carlos Santiago, les gars. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Santiago. On va voir ce qu'il se passe en LDC. Asberg, lui, c'était vraiment carton rouge sur carton rouge. C'était que des cartons rouges. Aïe, aïe, aïe. Retournez. Let's go. Let's go. Santiago. Non. Oh la D. Et tap. Oh la 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 la. Voilà mon gars. Physique jusqu'au bout. Physique jusqu'au bout. Ah, oh là 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 là, la tête la première. Et voilà, mettons les gars, c'est parti. Il est plus rapide, il est plus rapide. La frappe croisée, mesdames et messieurs. Le boss est toujours là. Allez les gars, j'ai très peur. Bien joué les gars. On a pris une voiture plus lente. Même si on a pris ça les gars, nous avons été à l'heure à l'entraînement. Incroyable les gars. Incroyable. Bien joué les gars, franchement bien joué. Je vous dis pas ce qu'il y avait si vous aurez pris la voiture rapide, mais bien joué. Franchement, bien joué pour une fois les gars, on applaudit. Les gars, il y avait une dinguerie. Vous aurez pris la voiture rapide, il y aurait eu une dinguerie. Un bon crash. Non, je sais pas frère ce qu'il y aurait eu. Mais il y aurait eu une dinguerie. Elle est passée où, Jessica? Non, Jessica, on l'a payée, hein, tu te rappelles pas? On l'a payée et puis c'est bon, elle va te faire chier. On sait, c'est l'accident. Il y aurait eu un accident. Non, bien joué, les gars, bien joué. Franchement, bien joué. Il y aurait eu pas qu'un accident, les gars. Il y aurait eu vraiment une dinguerie. Avec Rico, il avait tué la vieille. Ouais, de ouf. Les gars, pour ceux qui n'étaient pas là avant, en fait, il y avait un joueur qui s'appelait Juan Carlos Rico, un Mexicain, jeune, tout ça, etc. Il avait à peine quoi? Il avait 23 ans. Et du coup, sa meuf était enceinte. Elle a annoncé qu'elle avait perdu les os, tout ça, etc. Et vous avez voté pour rouler avec la Bugatti. Du coup, on a écrasé une vieille. Et on a fini en prison. On n'a pas vu notre fils grandir pendant au moins 5 saisons, je crois. On a vu le temps passer. On est sorti de prison à 27 ans. C'était dur. Et là, les gars, vous avez évité le pire, là. PJ, les gars. Il allait en prison. Ouais, il allait en prison. C'était vraiment une carrière compliquée. Les choix. Non, franchement, bien joué. Hein. Vous avez changé, les gars. Voilà. Grâce à vous, Santiago. Oh là là, c'est magnifique. Le lob. Aïe, 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 dommage. Oh là là, il est passé. Oh. Il est passé, Carlos Santiago, avec ce sombrero. Le crochet, le piqué. Oh là là, c'est magnifique. L'attaquant argentin, le champion du monde en titre. Extérieur du pied pour Sancho. Oh là 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 là, mais quel joueur. Je crois qu'ils sont plus en bon terme, il est plus modo. Elle a viré beaucoup de modo celle-là, elle t'a viré toi, elle a viré Riku. Qu'est-ce qui se... Voilà. Pas fait exprès, ça va, ça y a rien wesh. Y'a rien wesh. Wesh. Belek, match salut du prochain match, on se fait soulever 5-0. Belek hein. Les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça ferait grave, grave, grave plaisir. Si vous voulez plus de live, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Junior TV Gaming. Je fais environ entre 5 et 8 heures de live par jour.